Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je viens d'arriver à l'hôtel. Je me suis préparé, on part direction Paris-Bercy pour aller regarder un match de basket. Je suis avec mes acolytes qu'on va rejoindre là maintenant tout de suite. Comment ça va les champions? Dovi, ça va mon petit champion? Ça va ou quoi les amis? Oh, j'aime bien cette caméra. Ah là 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 là, on est en intimité. Bienvenue dans ma chambre d'hôtel. C'est vrai qu'on est vraiment 307. 307 à l'hôtel 209. Est-ce que vous êtes prêts pour ce soir, messieurs dames? Bah, nous, soirée historique pour des gens passionnés comme nous de basket. Oui. Ouais. Je sais juste Chicago Bulls, il y avait Joachim Noah, il a pris sa retraite. Chicago Bulls, c'est là où il y avait Michael Jordan. Mais c'est quoi les matchs qu'on voit? C'est Bulls contre Pistons. Pistons Piston de la 307. Toi, tu t'es fait pistonner, toi. Ça me non, en vrai de vrai, moi, pour être tout à fait franc, j'ai aucune connaissance basket, je suis un basket. Moi, je sais juste c'est quoi un switch. Swift. Switch. Je l'ai appris grâce à Brawl Stars. J'ai joué à Brawl Stars hier. Et en fait, c'est quand j'ai joué au mode basket. Et c'est quand tu mets dans le panier et que ça touche pas les. Ça fait juste le bruit du filet, ça fait. Les gars, est-ce qu'on changerait pas de chambre parce que Pidi, elle doit se changer en fait. Ah oui, bah oui, c'est mieux. En tout cas, les gars, s'il y en a qui sont fans de basket ici, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi, mais à le mentionner en commentaire. Parce qu'il y en a plein, bah, on pense pas à vous parce qu'on s'intéresse pas du tout au basket. S'il y a des choses qu'on dit mal et tout, n'hésitez pas à nous corriger. Bah, parce que c'est vrai qu'on a aucune connaissance. Nous, on a eu l'opportunité d'aller voir ces matchs. Moi, je me suis dit, en vrai, j'ai hésité. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai envie de découvrir un petit peu le milieu. C'est tous les 3 ans en fait, hein. C'est pas tous les ans. Ouais, c'est tous les 3 ans quand il y a un Français dans l'équipe. Non, dans tous les cas, c'est tous les 3 ans, mais je crois qu'il faut un minimum un Français dans l'une des deux. Mais frère, moi, je kiffe trop, c'est là, on va se mettre un petit peu dans l'ambiance States. J'espère, hein. Est-ce que c'est pas l'ambiance française pour un truc des States? Moi, je pense que c'est une ambiance française qui veulent s'inspirer des States. On sera quand même un petit peu dedans, tu vois quoi. Ça a changé des matchs de foot. On verra bien, mais je pense on s'achète un petit maillot Bulls. Bien sûr. Si on a le temps. Moi, j'ai envie de mettre mon petit dossard. C'est le dossard un peu, non? Ouais, c'est le maillot orange. Ouais, les trucs qui sentent le chasuble. Ouais, c'est ça, c'est le chasuble. C'est ça, c'est les chasubles. Vous les mettez obligatoirement des poils sous les bras. Les bâtards. Ouais, t'en as encore? Des poils sous les bras. Mais j'ai jamais rasé les poils sous les bras de toute ma vie. Donc, oui, j'en ai. Je me suis jamais rasé les poils sous les bras. De toute ta vie? De toute ma vie. Et du kiki? Oh, mec, mais ça doit faire 7 tailles. Et du kiki? Non, kiki un petit peu. Et cul jamais. Cul, non. Juste quand la merde sèche dans mes poils de cul. C'est des raisins secs. Du coup, j'arrache des raisins secs. Bon, je pense que les gars. On est parlé de basket d'un poil de cul en 2 secondes. Bref, les amis, on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. C'était chiant la route? Horrible. Il y a neigé à partir de la moitié. Donc, on roulait à 30. Mais lui, c'est un traître. Pourquoi je suis un traître? Parce que ce soir, t'étais pas pour les Bulls, frère petit, puis t'es pour les Gastors. Mais non, mais ça, c'est pas une équipe de basket. Mais oui, c'est pas une équipe de basket, bah, c'est une équipe d'université. C'est un concurrent, en fait. Imagine, c'est vraiment. Écoute, de toute façon, c'est une équipe de. Non, déjà, c'est pas Gastors, c'est Raptors. Raptors? Non, Gators. Non, c'est Gastors. Gators. Gators, ouais. Gators. Les Gators. En fait, t'as bien un petit peu les trucs un petit peu universitaires. Oui, là, c'était bizarre avec tes mains. C'est bien les. Bah tu sais, c'est Bombers. Oui, ok, oui. Tu croyais que je faisais quoi? Après, tu visualises des choses mal. Hein. Ouais, et anecdote, ça, ouais. Pour venir ici à pied, j'ai croisé Esteban Ocon. Incroyable. La preuve maintenant tout de suite. Après, là, il va y avoir des stars. Il y a même pas de preuve. Hein. Il va y avoir des stars ce soir. Ouais, je pense. Il va y avoir vraiment des stars. Bah là, nous, notre place, les gars, on est assis à côté de Kylian Mbappé. Ah, je vous l'ai pas dit. Mais non, il est en train de jouer au Qatar, là. Ouais, non, mais c'est faux. Ah oui, ils sont ça. En train de perdre d'ailleurs. Non, il y avait 2-2. Les gars, pour moi, c'est 100% un show match. Il y a un rouge. Il y a eu un rouge. Il y a eu rouge, ouais. Ah ouais, pour qui? Van Bernat. Ah ouais. Faute dernier défenseur au milieu de terrain. Ouais. Pour moi, c'est un match qui est. Avec Neymar, il arrête à pénalty. Ah ouais, c'est mieux là. Et quand vous jugez ma femme, là, Molo Pelo. Hein. T'as un ballon de basket là, du coup. C'est le ballon du match? C'est le ballon du match? Vous connaissez les règles ou pas? Pas du tout. Vous savez que t'as pas le droit de faire plus de 2 rebonds? Non, je sais plus. Non, marcher, 3 pas. 3 pas. Plus de 2 rebonds aussi quand même. On la passe. Bah non, mais j'arrive à l'hôtel, Dobby il fait. Non, mais tu vas pas comme ça, hein, la honte et tout. Là, je reviens un peu plus fraîche et je regarde, il fait. On est en retard. Ah, mais c'est du tunique. Allez, bah on y va. Hein. 8 minutes à pied, les gars. Ça fait du bien. T'as mis un petit blouson. C'est un nouveau ça? Ouais, nouveau. Oh, tu t'es fait plaisir à Paris? En fait, quand j'ai acheté pour la gender reveal, j'ai acheté des plus roses. Du coup, j'aimais bien, j'ai acheté tout le magasin. C'est flotte la marque française. Bon, les gars, je crois qu'on arrive là. Hein. Ça a l'air d'être ce bâtiment là, non? Ouais, c'est ça. Mais en vrai, il y a aussi le bâtiment Merci, Bercy. Ouais, hein. C'est là où il y a des chanteurs qui viennent et tout. Oui, ouais, moi j'ai été voir Justin. Moi j'avais déjà été voir un match de tennis. Ah ouais? Son gars contre Nice. Ah ouais, donc il s'adapte à vraiment tout quoi. Ouais. Il y a une soirée après. Oh, mais ça va se bourrer la gueule. Oh, bah, pas toi, je préfère. Ouais. Les gens ils vont pas voir que du basket là. Hein. Bon bah, les gars, voilà, on y est, hein, porte 1. Les gars, j'ai ma place de BG. Je savais pas qu'il y avait une soirée après. Ah bah, mec. On va se faire bien. Petit four et champagne à volonté là. Aïe 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 aïe. Pour être tout à fait franc, je sais pas du tout ce que valent les places là. Hein. Je crois que on est en gradin, c'est tout. Ouais, bon, ça s'en fout. De toute façon, je suis là pour voir un match de basket. Ouais, voilà. Je sais pas c'est quoi catégorie 3. On va pas se plaindre, merci, au revoir les gars. J'aurais jamais cru aller voir un match de NBA avec vous. Du coup, prochain truc, c'est le baseball, j'ai jamais vu. Au Japon, c'est énervé au Japon, ouais. Ah oui, j'avoue, au States. Non, un match de hockey, un vrai.
peut être intéressant. Ah oui, aussi. Bon, ouais. Pidi, t'en penses quoi de ce que tu vas voir ce soir? En vrai, j'ai hâte. Hein. Ouais. J'y connais strictement rien, mais c'est l'occasion de découvrir. Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'as fait 8 heures de route? Non, mais en vrai, c'est super stylé. Oui. C'est hyper rare de voir un match ici. Oui. Non, mais ça va être sympa. Oui, ça va être cool. Puis après, moi, quand on dit petit four, forcément, je suis là, quoi. Ah oui, c'est bon pour ça. Je rigole, je sais même pas. Ok. Bonjour. Ça va, les gars? Ouais, nickel. C'est quoi vos pronos, les gars? Martin. Ah non, c'est le pronostic. Ah, ah merde, Bulls, hein. Les Bulls. Gagné. C'est quoi le match déjà? C'est Détroit contre les Bulls. Détroit contre les Bulls. Okay. Allez, Bulls. Allez, Bulls. Ouais, pareil. Okay. Allez, Bulls. Mais je me rends pas compte que c'est un événement historique qu'on est en train de voir là. Pas historique, mais. Presque. Je sais pas, c'est le deuxième ou le troisième? Je crois que c'est le deuxième en France, je crois. À Porte Agis, nous on est quoi? Ah. Non. Ah non, Porte, y a pas écrit, je crois. Non, y a pas écrit Porte. Marqué Gradin. Grade 1 Grade 1. Ah. Mais toi, il y a écrit dégradé. Ah, Mohamed. Sartek Mohamed, le dégradé. Ça va, toi, ton ventre? Eh, c'est sportif. T'arrives à... Parce que là, tu déplaces deux personnes, toi. Oui, c'est vrai. Mais là, ça va, là. On est bien d'accord, nous, on est grade 1, c'est ici. Mais oui, c'est ici. Oh okay. Là, 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 là. On va pas s'emballer. Ah, on s'emballe pas, hein, nous. On est là, détente. Allez, voilà, c'est pas mal. J'ouvre. Vas-y. Oh. Bonjour. Oh la vache. Bienvenue à la Core Hotel. Merci beaucoup. Je peux voir votre ticket? Bien sûr. Rang 40, 04. Rang 39. Là, vous avez le rang 1, le rang 2. Ah, du coup, on est en bas. Le rang 9, il est en bas. Et la place 5, elle sera à gauche, marquée sur les sièges. D'accord. Ok. C'est bien expliqué. Ouais, lui 39, lui 40. Du coup. Magnifique. J'immortalise le moment, les gars, forcément. Ouais, bah là, on vient de prendre l'avion, on vient d'arriver au States. Pas mal, hein. Ah ouais, c'est pas mal, hein. On arrive au States, il a dit. Pas là, pas là. Regardez pas ce qu'il dit. Mama. On n'est pas à Chicago, nous. Le story de Balouz. Ouais, on est vraiment bien, là. Mec, on est 26, là. Et nous, on est combien? On doit jusqu'à 40, gros. Ah, on est vraiment prêts, alors. Bah, moi, comme on va être très, très proche. Salut, Louvre. Ça va? Ça va. Bien, putain, t'es géant, toi. Ouais. Ça va bien? On peut faire une petite photo? Ouais, vas-y, vas-y. Vous êtes pour qui, vous, les Bulls? Bah, plutôt, ouais. Je vais mettre le ralentir. C'est là où j'ai Michael Jordan? Ouais, c'est ça. Putain, les gars, j'ai la ref. Yo, les gars. Salut. Vous voulez passer une dédicace? Bon, dédicace à aussi que je te pardique, les gars. Voilà, les gars, ça régale. Vas-y, bon match. Merde, ouais, toi aussi. On est vraiment on est à côté, frère. Proche. Y'a Brox qui est là, frère. Oh, y'a Brocky Brox. Salut, les gars. Ça va, Brocky? Ça va, ça va quoi? Oh, man, nickel. J'ai l'impression que c'est spectaculaire parce que là ils regardent, ils filment les joueurs, mais les joueurs, je connais aucun joueur. Mais j'ai une rêve, c'est que Jordan, Michael Jordan, il joue au Bulls. Ouais, bah, j'ai sorti tout à l'heure. Je pense le mieux sera, c'est peut-être d'aller regarder s'il n'y a pas des stands de nourriture et de boissons. Il y a un mec qui passe avec des paniers. Ah, sérieux? Ouais, on va voir, c'est un stand, non? Musique, tu peux pas y aller. J'aimerais que c'était là, comme ceux qui se mettent sur la file. Moi je pense qu'il faut aller pendant le match, un petit temps mort. Ah ouais. Tu traces, achète un truc. Hein. Tu fais un côté avec le bouseux. Ouais, avec tout le monde. C'est ton préféré, lui. Non. Non, je préfère personne. Bon, les gars, c'est moi qui régale. Ok, alors ça part sur 300. Faites-vous plaisir. J'ai fait un paye pour le petit qui est devant toi. 300 minutes. Non, il a payé. Ah merde. Il a payé trop tard. Je sens que vous allez vous régaler là. Il a clair, on va payer. Non, en vrai de vrai, je vais être rigolo. En vrai, ça te dérange pas si j'en prends deux? En vrai. Sandwich? Ouais. Non, t'inquiète. Non, mais c'est... Pourquoi tu me dis non avec ta tête? Bonsoir. Alors, on va vous prendre un panini jambon fromage, s'il vous plaît. Un panini, trois fromages encore. Avec deux bouteilles d'eau. Et un paquet de Prestagana, s'il vous plaît. Et un coca chéri. C'est vous qui payez. Ça se voit, hein. Je pense que si c'était Valouz qui payait, là, on aurait deux fois moins. Non. Alors là, il y aurait deux fois plus, frère. C'est vrai. Et trois. Non, mais les gars, régalez-vous. Par contre, ça, on est d'accord, c'est dégueulasse. Volvic bio. Concombre, menthe, basilic. Horrible. J'ai envie de dégueuler. Ça, c'est un truc de Hulsi. Et on va vous prendre un dernier truc. Une glace Kinder Bueno. Ah, tu m'as mis tout. Merde. Oh merde, j'ai cru de fou malade. Non. 37 euros. Les gars, 37 euros, ça va, je m'attendais à plus. 37 euros. Ah ouais. On chine. Voilà. Ah, le bruit de chine au montage. Non. Non, non, y'a pas de montage. Vraiment pas mal le moitié. Regarde, comment ici. Le moitié changement est vraiment pas mal. Vous voulez faire un petit pari sur le match ou pas? Un petit pari sur le match. Ah ouais, genre tu nous fais payer. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. T'essaies de nous soutirer de l'argent là. Ah non. Là t'es en train de nous inciter à faire un jeu d'argent. C'est quoi les cotes? Ça dépend, tu veux. Ah ouais, là c'est pas légal. C'est la win des Chicago Bulls. À 33. Oh ouais, c'est pas le signe. C'est quoi ton conseil toi? Moi c'est les joueurs. Ça va, il essaye pas de vous troquer un retour contre votre billet. Si. Si. Il nous a déjà soutiré 200 euros là. Arrête. C'est fort, hein. Arrête. En plus des cotes à 5, donc. Je sais pas, j'ai du DeRozan. Alors je vais dire un truc. Vas-y, dis-moi.
on est des basket-X. Ah ouais. Je connais personne. Ah ouais. C'est qui les joueurs à suivre? Michael Jordan. DeRozan, Lavine, Kylian Hayes, le jeune français. Hein. Kylian Hayes. Ouais. Ok, nous on est pour Kylian Hayes, non? Kiki, un Kiki de meuf. Il y a un Kiki qui est aussi trop fort ici. Pariez uniquement ce que vous pouvez parier si vous avez à parier. Et c'est pas si bien que ça les paris. Moi j'ai un message. Le pari, c'est juste du plaisir. Donc un petit 10 balles, 20 balles de temps en temps. Vraiment occasionnellement entre potes, c'est quand même cool de temps en temps. Ouais. Mais voilà, juste du plaisir. Exactement, les gars, ils ont tout dit. Kicks, Hayes, Kylian Hayes. Hayes. Hayes ou Days. Nous on est. On a déjà téléphoné à Rennes. Les Geek Days. De Rennes. Oh, que c'est début février. Bon, les amis, c'est l'heure de se régaler là. Finalement, je suis plus pour les Bulls. Oh non. On est dans la tribune des trois. Ouais, mais non. T'as pris un panini, un hot dog, toi. T'as pris le dog finalement. Oh le mauvais choix. Arrête. Oh le mauvais choix. Il est pas bon. Oh le mauvais choix. C'est horrible. C'est même pas du fromage, c'est de la crème. Ah. Ah ouais. Ça fait penser aux séries et tout, tu sais. High School Musical. J'ai référence. Les Pistons Dancers. Le tonton boomer. Extreme Team. Waouh! Waouh! Oh, tu me fais malade mental! What? Suivez-le sur les réseaux sociaux. Ça, les gars, c'est un américain, je crois que c'est un américain. Je suis fou malade. Ah, j'ai essayé de tuer la carte de l'enfant. Ouais! Ouais, on est là! J'étais juste devant. Les Camilleim, les gars, là. Go, oui. je l'ai eu les gars. J'ai un petit vent quand même. Un petit vent les gars, mais c'est bon. Ouais. Deuxième tiers temps. Ouais. Voilà la couleur du Papers, le commerçant n'a pas la monnaie. On a pour la couleur Lakers, on n'est pas tous ensemble. Et donc, on est joueur, rien sur le trône. Oh, Farrell. Farrell. Ouais, on s'était vu, Farrell, ouais. Ah, mais il m'a pas vu. Considéré comme un des plus grands joueurs et chômage de l'histoire du basketball. Mesdames et messieurs, Irving Magic Johnson! Allez, on va arriver au dernier tiers temps, le quatrième. Les Bulls sont largement devant. On verra si elle remonte à dame et si prend moyen. Franchement, avec tout le respect que j'ai pour le basket et toute la connaissance que j'ai accumulée au cours de ce match. Personne n'y croit. On voit bien que les Bulls sont quand même au-dessus. Et attention, le 3 points. Ouais. Le 3 points, c'est 1 point. C'est très satisfaisant. C'était 1 point, il en a dit 3. Regardez qui voilà, les gars. Est-ce que vous le reconnaissez là? J'ai jamais vu autant de stars au mètre carré.
Non mais bref, vraiment j'ai abusé. Bravo! Le score final, Detroit Pistons 108, Chicago Bulls 126. Oui Bouzy, oui Bouzy. Les gars, on va voir, peut-être qu'il va pop là. Peut-être qu'il va pop là-haut les gars. Bon les amis, on a attendu un petit peu. On va aller direction la soirée de guest en fait. T'as pas envie de mettre un pied sur le parquet là. L'inconvénient quand il y a du parquet, c'est que ça grince. C'est que ça grince. Vous avez la ref. Tout le monde a cette ref, je pense. L'inconvénient quand on a du plancher chez soi, c'est que ça grince. Mais du coup, ouais, on va à une soirée spéciale soirée vive, entre gens connus, quoi. Je sais pas ce qu'on fout là, gros. Ouais, je sais pas, on est les instrus. Bah, Marion, on m'a demandé si j'y allais. Marion qui Marion Cotillard, excuse-moi. Ah, oui. Anecdote, les amis. Et petite dédicace, j'ai fait une photo avec les enfants de Marion Cotillard, c'est incroyable. Oui, ils t'ont reconnu. Ils étaient hyper mignons et super gentils et respectueux. Bah, dédicace à eux. Voilà, dédicace à vous, franchement. Les boss. Les gars, on va poser les pieds sur le parquet. Allez, on va poser les pieds sur le parquet. Ah, ok, ok, ok. Bon. No, there is so c'est non. C'était court, mais très intense. On a mis que sur le côté bleu, donc techniquement on n'était pas vraiment sur le terrain. Mais on a touché le parcours. Bon, on s'est fait un petit peu gronder. Bon, les gars, on va où là? Attends, on va en boîte de nuit, frère. Boîte de night. Moi, je savais pas, gros. Ah oui. Ah oui, y'a un problème. Bah, c'est vrai que moi aussi. Mais attends, mais Bubu va déjà en boîte de nuit. Moi aussi, y'a un problème. Oui, en boîte de nuit, il est même pas né le machin. Le machin. Ouais, d'accord. Le machin. Où ça tombe, ça va être un flop. On va faire des photos là, les gars. On va faire des photos avec un maximum de célébrités là. moi, je vais tout à fait franc. C'est celui dans la soirée qui fait le plus non. De photos. Non, moi, je suis gêné quand même. Je déteste. Je suis gêné. Une personne que tu irais voir si tu la vois. Mbappé. Zidane. Oui. En fait, les footballeurs. Ou les pilotes de Formule 1. À Leclerc, je vais. À Leclerc, tu vas là. On le connaît maintenant. On le connaît maintenant. On le connaît, frérot. Elle vient de dire Justin Bieber. Ah, par contre, on voit pas trop quoi. Ah, on voit rien là, mais il fait noir pour nous aussi. Hein. Ah oui. Mais vous voyez un peu l'ambiance quoi. Y'a du monde, wesh. Ouais, y'a du monde. Je vais me tarter la gueule. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Santé. C'est quoi ça, Valouze? C'est incroyable. C'est quoi? C'est un trophée NBA. Quand tu gagnes la NBA, ça? C'est le trophée de Larry O'Brien. Il y en a pas beaucoup qui l'ont gagné celui-là. Ah ouais? Il vaut cher. Mais comment on fait pour le gagner? Et on va en finale NBA et on gagne. Ah ouais? Contre la meilleure équipe de l'Est. Une fois par an, quoi? Une fois par an. C'est la Champions League. C'est la Champions League du basket, ça. Ah ouais? Putain, énorme le trophée, hein? Ah ouais. Jordan, LeBron, Magic Johnson. LeBron, il l'a gagné 4 fois. Ah ouais? Et Jordan, 6 fois. Ça pèse combien? Ça doit bien peser au moins 15 kilos. Parce que quand il le soulève, il y arrive, donc il soulève quand même. Ouais, mais seul. T'as donc vu les machines, t'as vu les machines que c'est. Ça fait 2-3 kilos, tu vois. Ah, les gars, on a abusé encore. Hein. Les gars, putain. Non, mais Toby. Comment on va faire, là? J'ai les oreilles qui bourdonnent. Tu vois, quand tu... Finalement, on est resté longtemps. 4h12, putain. Frère. Regarde, Dobby, il est pas bien. Tu fais quoi là? Ouais, t'es dépendant toi. T'es dépendant. Les gars, on blaguait. On blague, les amis. On a bu un Perrier et un jus. Il est minuit 12, j'ai bu un petit verre de vin rouge. Il était dégueulasse, c'était de la grosse piquette. Ah ouais. Ah, vu que j'ai de l'expérience, je peux me permettre de le dire. Okay. Mais non, on a vu juste à quoi ça ressemblait, mais. Et on est reparti. En fait, il n'y avait pas à manger. Oui. Moi, je préfère manger que boire. Oui. Regarde avec qui on est. J'avoue, on est où là? C'est une sortie bizarre. On s'est régalé, j'espère que vous aussi, les gars. Si vous êtes régalé, n'oubliez pas de penser au petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne des Céloustiques. Bah oui, qui seront en description. Voilà, exactement. Abouzi. Exactement. Sur ce, bah là, on va rentrer à l'hôtel. On va se faire une giga bouffe. Mais non, il neige pas, il pleut. Là, c'est vrai qu'il commence à neiger. Tout, là. Non, mais moi, d'ailleurs, quand je suis venu en voiture, il neigeait. La moitié de la route. Mais là, il neige pas, là. On va se casser le bide. Et puis voilà.